Yeah, salut à tous les amis, on se retrouve donc pour la vidéo enfin de toute façon vous venez pareil parler hein, sur cette vidéo, soit parce qu'un ami vous l'a donné, soit parce que vous avez vu la vidéo, le clip parodie de bref, ou la et puis ensuite la vidéo où je m'excuse vraiment, donc ok, donc là vous pouvez retrouver ce bon vieux village, c'est la dernière fois que vous le verrez comme ça, parce que comme je l'ai annoncé dans la vidéo juste avant, on va passer à notre... façon de déminer, vraiment je suis désolé, mais là l'épisode 55 ça remonte à trop loin, j'ai pas envie de tout refaire, ça me fait mal au cœur de faire ça, mais en même temps j'avais envie de le faire. C'est une belle maison, ça m'a pris des heures à construire, quel dommage. Et voilà, donc en attendant je vais essayer de pas chialer sur malheureusement tout ce que j'ai réussi à fail quand même avant. Je vais essayer de me concentrer sur la destruction instantanée de cette maison. J'espère que vous n'allez pas non plus, s'il vous plaît, ne trollez pas, ne spammez pas, ne faites pas chier dans les commentaires en disant t'es con parce que t'as encore la map et tout. De toute façon, au pire, je vais encore une sauvegarde de celle-là. Mais non, l'aventure, je vais plus reprendre l'aventure après ce qui s'est passé. Vraiment, c'est mort, c'est plus possible. Je suis désolé. On peut pas reprendre après ça dans la joie et la bonne humeur, je veux dire. Donc voilà, en attendant, on se concentre gentiment sur ce qu'on a à faire. Voilà, tiens c'est marrant, il y a tout le truc de champi en dessous, qui est le truc de champi qui m'a bien fait chier. Vous pouvez d'ailleurs voir, j'ai dans les mains les trucs outils normands, en même temps je vais profiter en même temps de cette vidéo pour vous montrer les trucs que j'ai pas pu vous montrer avant. Donc là vous voyez j'ai les outils normands sur moi. Donc ils sont plus résistants que le. Enfin ils sont plus résistants que le diamant je crois. Et plus efficaces aussi, donc c'est vraiment super cool. L'épée en normande si je l'ai pas acheté c'est quelque chose de super cher, je sais pas si je l'avais dit dans divers épisodes. Hop, une TNT pour en activer, c'est bon quand même. Alors on entend, ça fait bizarre vraiment, j'espère que ça vous fait pas bizarre, mais je prends un petit peu c'est bizarre de plaisir à tout exploser quand même. Faut avouer que ça m'a causé du souci et pendant 50 épisodes j'ai dû me dire est-ce que je vais le faire péter un jour. Maintenant oui. Hop, alors par contre j'ai toujours ce problème de ça rame à mort. Donc là je me la fais vraiment en mode noob, hein. Je dis je détruis tout mais c'est vraiment parce que je suis en mode gros salaud qui détruit tout et qui a aucun respect pour tout ce qu'il a pu construire auparavant. Mais voilà, c'est comme ça en attendant, moi je fais ce que je veux, en attendant j'espère que ça vous plaît, hein. Bien sûr c'est quand même un gros intérêt, un but quand même que je me fixe, mais en attendant je pense qu'il faut que je prenne mon propre plaisir à tourner. À faire ce que je fais. Oh, il y a mon Pégase qui veut s'en aller. Oh, regardez. C'est lequel déjà le cheval de feu? Est-ce que je l'avais déjà l'épisode 55? Je sais même plus. Oh, allez, le cheval qui foutait le feu, le Nightmare là. J'ai trop envie de l'avoir. Histoire de foutre le feu un peu et tout ça. Je crois pas que je l'avais encore. Hop. Bon. Alors, là il y a une licorne. Là il y a Pégase. Petit. Oh yeah. Vas-y, t'es là. Vas-y, tu vas m'aider, on va foutre le feu à tout ce village. Et un dernier petit tour. Et voilà, vous pouvez voir ce village, profitez-en, parce que vous allez pouvoir voir un petit moment, je sais pas du tout combien de temps va durer la vidéo, assez longtemps pour que je puisse suivre tout le monde, voilà, ça c'est... Bon, on a des aïe, crevé, bon, que là, voilà. Voilà, je vous déteste, peuple injuste. Tiens, il m'attaque en poulet, tu me crèves. Mode Google l'anarchiste. Je devrais même pas prendre ce skin parce que c'est des besoins dans mon pire, comme j'ai une armure ça se voit pas. Parti prier, ouais mon cul, mais vous savez ce que je fais à vos chapelles de merde là. Nah, moi je priais juste pour que vous me filiez du fric et que vous me fassiez des réductions sur vos ventes d'armes de merde. faut que vous êtes coincé maintenant, toi t'es coincé, t'aurais pas dû rentrer mon petit. Voilà, toi tu veux rentrer, c'est trop tard. Tu vas mourir autre part que dans ton église. Ah, et vous allez tous mourir. Oui, Globlo est un peu fou sur ce coup-là, mais... Oh, j'aimerais bien inviter des personnes à m'aider à tout péter, mais si j'invite, il faut que je mette ça en serveur, ce que je ne savais pas encore faire. Et voilà. Parfois ça risque de bien exploser tout ça. Hop, hop. Voilà. Allez, bonne chance. Tada. Oh, bah tiens, lui, il brûle. Il est con. Ah là là, ça fait plaisir. Boum, ça c'est de la chapelle. Ah, 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 ah. Mon dieu, c'est beau la vie. Oh mais il reste plus grand chose. Alors ça, pourquoi c'est pas parti? Si c'est bon, c'est parti. Bon, peace and love les mecs. Oh là là, je viens exploser ta maison. Bon, par contre, le fait que ça rame, ça pourrit un peu le coup du
c'est fun, c'est pas grave. C'est pas le premier que je détruis, hein, c'est pas le premier village que je détruis dans ce mode, ça peut paraître complètement pire mal aussi, mais j'ai déjà fait ça quand je jouais au mode en dehors de l'aventure. Je m'amusais aussi à exploser des fois des villages que je créais comme ça, c'était très fun, entre autres. Voilà, il est coincé à l'intérieur, regardez, ça c'est la mort d'un homme. Ah non, un gamin en plus, c'est con ça. Nanana, monsieur canard est témoin, la mort. C'est fun. Oh putain, je sais bien. J'aurais dû faire un canon à TNT histoire de voir comment j'aurais pu exploser. Tiens, allez, crève. Là, toi aussi, crève. Ah, c'est bon ça. Toi là, tu veux me vendre ton truc? Il manque de l'argent. Oh, c'est con, bah tu vas mourir. Voilà, lui, c'est lui qui m'a posé le plus de soucis. Oh, c'est chiant, c'est qui? Ah oui, merde, il réanime. Ah oui, ils revivent. Ah ah ah. Mon dieu, ce sont des génismes. Voilà. Oups, je vais peut-être me barrer en courant là par contre. Ah ah ah. Merde, on va mourir avec. Ouh, même pas. Bon, bah voilà qui commence à nettoyer les gens dans leur village. Pour une raison sombre inconnue, leurs coffres sont incassables. Allez chercher pourquoi, on sait pas trop. Alors, de la TNT s'il vous plaît. Ça sert à rien, vas-y. Il va me falloir de la TNT. Alors je place ça tranquillement. La TNT c'est où? La TNT c'est... Merde, j'y étais. Je vais prendre autre chose aussi. Bien sûr. Indispensable, la lave. Parce que ça fout le feu et c'est rigolo. Je peux pas détruire un village sans lave. C'est pas possible. Moi pas dans mes cordes. Allez, je galère à grimper. Oh putain, c'est chiant. Par contre. Comment je peux laguer sur une vidéo comme ça, quoi? Y a pas plus honteux. Bon bah voilà, j'espère entendre que toute la communauté de pyromades et autres de destructeurs qui voulaient absolument que je détruise tout du long, qui voulaient que je détruise un village, bah vous êtes enfin contents parce que ça, je le fais pour vous. Hop. Parce que ça me fait mal au cœur de détruire tout en fait. Enfin, c'est rigolo, mais ça fait un choc en fait, c'est pour ça que je parle pas beaucoup, ça fait un truc bizarre, en plus ça rame un truc de porc, donc c'est pas très pratique. Donc voilà, on va continuer à foutre le feu gentiment. Alors toi, gamin. Oh, une maison, comme c'est mignon. Oh, un gamin. Oh là, les gamins. On va tous les faire péter, vos maisons Pokémon à la con là. Fire. Vas-y, on fait le feu gentiment. On détruit la porte, on fout le feu et on tape la personne. Vas-y, crève. Ok, bon, ça c'est fait. Boum, 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 boum. 3, 2, 1, 0. Oui, c'est rigolo. Ah là là, ça fait du bien. Alors, une carrière, c'est bien, le mec il est descendu, il a pas peur. Hein. Tiens de dire quand même, il est courageux. Moi, j'aurais peur d'aller dans une carrière avec un Glouglou 71 avec de la lave au-dessus. Hop, alors s'il arrive à en sortir, je le respecte. Ah oh, bah voilà, il va mourir. Ça c'est fait, vas-y crève connard. Et c'est bien. Est-ce que ça va me donner la pierre? Ou est-ce qu'elle va aller directement dans leur coffre? Ah oh, non, je peux leur prendre normalement. Alors. Bien sûr, comme on est gentil, discipliné, que le monde nous aime et autres, on va tout de suite faire en mode peace and love. Hop, voilà. Ah, c'est bien. Écoutez ce bruit des gens qui meurent, comme c'est rigolo. Ah là là, je m'en lasserai jamais. Ouais, vraiment, en même temps, je dois manquer de punch, je devais regarder limite en vous lassant, c'est tout pas impossible, mais... Pire, si vous aimez pas, regardez pas. Je vais pas du tout vous inviter à regarder cette vidéo. Vraiment, si vous voulez pas voir le village détruit par un Glouglou qui fait son gros bâtard, ne la regardez pas. Parce que là, je fais vraiment ça pour le principe, j'ai envie de dire. Je peux pas laisser une ville comme ça en pleine santé après tout ce qui s'est passé. Hein. C'était toute une relation entre cette ville et moi. Je peux pas la laisser tranquillement se reposer quand même. C'est pas possible. Hop, bonjour monsieur. Hop, vous pouvez plus sortir maintenant. Oula, il y a tout qui pète. Oh, regardez comme ils sont en train de mourir, comme ils sont mignons. Ah là là, les jeunes insouciants. Hop,
Voilà, ça c'est fait. On va couvrir un peu leur agriculture, hein, c'est pas grave, une agriculture ça repousse, normalement. Hop. Oh, en attendant, je vous conseille de prendre exemple parce que leur agriculture est très bien pensée. Vous mettez un truc de carré au milieu. Enfin, un truc de carré, un truc d'eau au milieu et ensuite ça va tout seul. Voilà. Hop, normalement. Là, ça devrait couler aussi, tranquille. Voilà. Il reste des petites maisons épargnées par-ci par-là, ça devrait pas trop tarder normalement. Il y a ça à exploser. Oh oui, leur truc de vache là, oh putain, chier ça. Hop, allez. Ah, adieu Salted. Voilà, c'était la référence Crafted. Salted. Hop, allez, TNT là. TNT. Waouh, ouais. TNG. Hop, on va s'engueiller. Ah, d'ailleurs. Parce que, de toute façon, on entend bien. Parce que vous avez le courage de rester jusqu'au bout et de voir ces atrocités. Après cette explosion, je vais vous montrer un truc cool. Il y a des objets normands aussi qu'on peut acheter. Certains plus ou moins cool. Là, je vais vous en montrer un plutôt cool, ma foi. C'est celui-là. L'amulette de Skroll. Qui me permet de mettre le jour. Voilà, ça c'est fait. Vous avez ici une autre allumette qui devient le milieu. Et vous voyez, un pixel bleu, ça devient rouge quand un ennemi s'approche de vous. Ici, l'allumette des nains commence à devenir jaune quand un monstre, enfin un mob ennemi s'approche de vous. Et ici, l'allumette d'Hydrasil vous indique à quelle hauteur vous vous situez. Là, je me situe au niveau du sol. Et ici, la lumière de Skroll et Atti qui permet de remettre donc, le jour et la nuit. Voilà, tout ça c'est très très pratique ma foi. Et tiens, j'ai pas détruit ça, c'est marrant ça. Comment j'ai pu oublier ça? Vous m'avez fait chier, c'est vous qui m'avez détruit mon truc d'élevage. Hein. Hop. Putain, qu'est-ce que tu fous là? Aïe aïe aïe, alors là je rappe à mort. Voilà, j'ai tué à la pioche, chacal. Et on va vous détruire votre baraque. Madame, bonjour gamin. Alors, un petit peu de lave par-ci par-là, histoire de. J'en remets parce que sinon ils vont survivre et ça sera pas drôle. Hop, alors je sors, ils ont de l'eau normalement, ils sont ici. Oh, ça rame par contre, c'est beau ça quand ça rame comme ça. Oh merde, je vais mourir. Voilà, concentration, tombe dans l'eau. Tombe dans l'eau, bordel. Non, vous êtes sérieux? J'ai même pas réussi. Bon, allez, on retourne au niveau du village. Alors, bien sûr, j'ai un petit stuff déjà préparé, à mon avis. Leave too many items. Hein. Bon, ça, c'est le vieux too many items. Ouais, voilà, ça, c'est bien ça. Tout à fait normal. Ah, lui, vous savez, c'est lui qui m'a fait chier plusieurs fois parce qu'il voulait me vendre des armes et tout, là. Ah là là, marchand d'armes avec qui j'ai jamais réussi à acheter un pauvre petit fusil Kalachnikov ou autre pistolet et fusil à pompe. C'est normal, on est dans Minecraft, me direz-vous, mais bon, il avait qu'à installer le mode Team Fortress, voilà. Hop, allez, toi qui m'as fait laguer des milliers de fois, tu vas mourir. Voilà, parce qu'il n'y a pas de raison. Bye bye, wow, wow, wow. Ça, c'est fait. Bon. Ici, qu'est-ce qu'on a? C'est pas l'auberge, je sais pas quoi, l'hôtel. Si, c'est ça, auberge. Alors, on va foutre le feu là aussi, parce que... On va faire brûler, parce que c'est plus joli quand ça brûle. Le feu, ça a un petit côté joli et tout. Juste, je sais pas si dans cette version, les escaliers brûlent, en fait, si je pense. Si je pense. Ça devrait être bien, ça. Ah. Ah là 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 là. Vite ici, voilà, on pose ça comme ça. Oh la vache, bon, j'ai un nombre de FPS qui me fait pitié, donc je pense qu'en fait on va s'arrêter dans cette destruction. Voilà, j'aurais détruit la moitié du milieu en fait. Bon, j'ai détruit une bonne partie en fait. Mais bon, voilà, en attendant les amis, cette vidéo une fois de plus n'a pas été forcément faite avec grand plaisir. Enfin, une fois de plus, non, c'est la première fois que je ne fais pas une vidéo avec. Tellement de plaisir parce que c'est quand même dans la mauvaise humeur que je la tourne celle-là. Donc voilà, en attendant, j'espère quand même que
que vous continuerez à me suivre, et comme je vais pas m'étaler plus parce que j'ai déjà dit tout dans les deux autres vidéos, enfin dans l'autre vidéo juste avant, je vous dis à la prochaine. En attendant, je pense que je vais rentrer en deuil pour toute cette aventure et ce magnifique village. Je suis vraiment désolé pour eux, et là dessus portez vous bien et à la prochaine. Bye tout le monde. Ce sont des choses qui arrivent. Bonsoir, c'était Bob Lennon.